Salut, c'est Boisdin, je suis avec... Boisdin, c'est moi. Et on participe cette année, en 2017, aux 23h de la bande dessinée. Alors qu'est-ce que c'est les 23h? On a fait une vidéo qui apparaît là sur la tête de Boisdin. Oui, sur ma tête. Et le lien en fiche, en description, etc. pour expliquer ce que c'est. Mais rapidement, c'est un marathon qui dure 23h parce que c'est pendant le changement d'heure. On ce doit qui faire... fait du samedi 13h au dimanche 13h, ce qui fait 23h. Donc un marathon, on doit faire 24 planches de bande dessinée en 23h avec une contrainte et un thème que là on n'a toujours pas parce que ça commence dans 10 minutes. Au moment où 10 minutes, on va avoir le thème, on flippe un peu que le thème soit pas à notre avantage. Oui, parce qu'on a, commencé à réfléchir plus ou moins quelques petits... quelques petites idées, mais on est prêt. On est prêt. J'ai ramené mon critérium et j'ai une feuille. C'est bon, je suis prêt. Alors il va te falloir 24 feuilles, exactement. Ah mince. Donc cette année on le fait à deux, mais aussi avec Clounel. Viens là. Bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Plus fort. Bonjour. Voilà. Et on va filmer de temps en temps des petites bribes, des petits moments, des petites... Voilà, dans quelques heures, vous nous reverrez, mais pour vous, ça a duré 2 secondes. Et bien sûr, dans la vidéo, on va vous mettre en lien, en description, nos 3 bandes dessinées que vous pourrez lire. Sur le site des 23h de la BD. Exactement. Comme je vous ai dit, on est prêt, et je vais vous montrer ce qu'on a préparé, nos planches, notre plan de travail, etc. Et c'est parti. Ça y est, il est 13h, on a enfin le thème et la contrainte. Le thème nous a été donné par Florence Porcel, la marraine de cette année, qui a fait une super BD récemment, que je vous conseille énormément. Le thème, c'est 1, 2, 3, explorer. Et ça va parfaitement avec cette marraine. Exactement. Et la contrainte nous a été donnée par l'équipage super-héros MDRS, des jeunes gens formidables. C'est que durant une scène de la bande dessinée, les gens doivent communiquer par... par geste. Voilà, c'est parti. À toutes. On en est à 2h et je vais vous montrer où on en est, voilà. Et alors il y a Boisdin, hop, on va voir Boisdin. Boisdin, il est à sa troisième... Je viens de finir ma troisième page et ouais, je suis vraiment content. Regardez comme c'est beau. Waouh. Je sais pas si on voit bien. C'est beau. J'ai fini ma deuxième, elle est là. Je l'ai mis en sûreté. Mais j'ai pas fait de couverture. La couverture, je la garde pour la fin. Comme ça, s'il faut gagner du temps parce que je suis en retard, et bah pouf, je fais une page noire avec un titre et bim. On a la couverture. C'est une petite technique de Sioux, voilà. Je vous la donne. Et aussi, on dessine tous en format A5. Comme ça, c'est plus rapide, car qui dit petit dessin, n'est-ce pas Boisdin ? Déjà, le format de base est en 800 par 600, ce qui... du coup, comme ça, au moins, on est déjà en format paysage. Alors, Boisdin dit de la merde, parce que ça pourrait aussi fonctionner. Ça pourrait aussi fonctionner avec du A4. Non, on dessine en A5, parce que qui dit dessin plus petit, feuille plus petite, dit rapidité. Voilà, plus rapide, plus petit. Et sinon, Clonewell en est... À scanner ces 3 premières planches, voilà. Clounel, pardon. Ah, et là, il y a de l'abus sur celle-là. Déjà, on voit. C'est une page complète. Parce qu'on a le droit qu'à 3 pleines pages, plus la couverture, ça fait 4. Là, ça sent la pleine page, mais découpée. C'est très astucieux, je te félicite. Allez, on est reparti. Boisdin, me revoilà. Alors, il est quelle heure? Quelle heure est-il, Boisdin? Il est 1h25. Ouais, donc on est censé être à mi-parcours, normalement. Boisdin, est-ce que tu es à mi-parcours? Je viens de finir la 12e page. Donc, Boisdin tient son objectif. Moi, personnellement, je suis à 11 pages, mais je réfléchis à plusieurs moyens de gruger. Il y a un copier-coller dans l'air, j'en ai déjà fait un. Boisdin a fait des trucs comme ça, regardez, hein, pour truander, pour escroquer. Voilà, donc des pages toutes noires. Y a des bonhommes bâtons, hein, je veux pas balancer, mais quand même. Mais y a Matt Damon.
où là il s'est déchiré. Et Clunel, tu en es où? Je commence ma 17ème page. Voilà, 17ème... Je suis fatigué, désolé. 17 pages pour elle, donc là, on est carrément à l'avance. Alors que Boisdeux et moi-même sommes un petit peu en retard. En plus, regardez, c'est pas moche, hein. C'est pas moche. Il y a du talent, il y a du talent. Après, comme tout le monde, ça se dégrade, hein, c'est des planches du début. Alors bien sûr, pour les 23 heures de la BD, il faut de la musique. Hein. Nous, on met de la musique un peu entraînante. On a une playlist un petit peu spéciale qu'on écoute un peu tous les ans. Des chansons qui reviennent souvent, qui nous motivent. Là, j'ai dû les couper quand je filme, parce que sinon, droit, YouTube, etc. Mais j'essaierai d'en mettre peut-être des remixes ou d'essayer d'en trouver une pour mettre dans cette vidéo en fond. Voilà. Et sinon, comme il fait nuit, on a mis la grosse lumière pour que tout le monde puisse dessiner et voir quelque chose. On voit que le plan de travail commence à ne plus ressembler à grand chose, voilà, comparé au début. Vous pourrez faire une comparaison. Baudet, est-ce que tu crois que tu vas terminer ces 23h 2017? Comme d'habitude, on va terminer, mais la qualité de certaines pages, à mon avis, risque d'en... il va y avoir des... C'est sûr. Je suis bien d'accord. Me concernant, je crois... Enfin, je suis même pas sûr de pouvoir terminer, parce que là, j'ai genre 3 pages de retard. Comme je l'ai dit, je peux encore escroquer, truander, mais... ça va être chaud. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas fait et j'ai l'impression d'avoir perdu. D'avoir perdu en rapidité d'exécution, d'avoir même perdu un petit peu de niveau en dessin sur certaines choses. J'en ai gagné sur d'autres, hein, sur l'aquarelle, sur la tablette graphique. Mais ça fait longtemps que j'avais pas fait de BD comme ça et c'est chaud. Puis on vieillit aussi, on vieillit. Hein. Et bien sûr, c'est la nuit, donc on ne compte plus le nombre de cafés, de Red Bull. De bière aussi, on a pris quelques bières, hein, on s'est permis, pas de la grande bière, hein, quelque chose plus pour faire pisser que, voilà. Sauf Clunel qui est au thé, juste au thé, depuis tout à l'heure, voilà. Bon, on va s'arrêter là, je vous donne rendez-vous pour un autre moment de cette folle nuit, journée, je sais plus où on en est, des 23h. Bon, ma caméra veut pas faire le point, mais ça y est, il est 3h, Boisdeux, qu'est-ce que tu as ressenti? Quand tu as vu cette heure s'envoler devant toi, quand tu as vu le 1h59 passer à 3, comme ça, d'un coup, bam! J'avais l'impression d'être dans Retour vers le futur. Je suis parti loin. Non, en fait, j'ai juste pensé à changer l'heure de ma montre. Et ben moi, j'ai eu l'impression que 1 heure me faisait un gros fuck en reculant, comme ça, et s'en aller au loin, et que je ne la reverrai plus jamais. Car pour les gens normaux qui dorment pendant cette heure-là, qu'ils perdent, ils s'en foutent un peu. Nous, quand on fait les 23 heures de la BD, on s'en fout pas du tout. Cette heure est cruciale et elle fait mal. On est en 2017 et Boisdeux a toujours une montre qu'il faut changer à la main, c'est beau. Et il mange des nouilles, car il est en avance. Non, pas du tout. Me concernant, ça fait finalement peu de temps qu'on s'est parlé tout à l'heure, enfin juste avant, et que j'étais un peu en panique. Et j'ai truandé, j'ai fait un copier-coller et une pleine page avec juste un texte dessus disant 3 mois plus tôt. Et voilà, je suis un peu plus serein parce que j'ai fait 2 pages en 40 minutes, même pas. Donc voilà, j'ai rattrapé mon retard. Il est 7h du matin, quasiment tout pile, hein, il est 7h02, je commence à être fatigué, mais le cap est passé, c'est-à-dire que je n'ai plus envie de dormir, mais ça se voit sur mon visage notamment, et à ma façon de parler peut-être, que c'est vraiment dur. Mais bonne nouvelle, j'ai rattrapé mon retard, non sans truandage et autres escroqueries. Mais je suis... là, en gros, il reste 5 heures et il me reste 5 pages à faire. Je viens de terminer la planche 18, mais j'ai fait la 19 juste avant, car j'ai fait comme Boisdeux. Rappelez-vous, je vous ai montré une page avec, avec Matt Damon, qui était très bien faite de la part de Boisdeux. Ces pages étaient en fait, pendant que Boisdeux sort des toilettes, regardez-le.
il est beau. Donc ces pages que ces pages de Boisdeux que je vous avais montrées étaient en fait les pages de la fin de l'histoire de Boisdeux qu'il avait décidé de faire avant la vraie fin des 23 heures pour être en forme et faire de belles planches. Parce que souvent à la fin on rush, on fait des bonhommes bâtons, on veut juste finir à tout prix. J'ai décidé de faire la même chose, c'est une très bonne technique. Donc j'ai fait aussi une planche, voilà, une jolie planche. Bon bah du coup ça vous spoil, si vous avez réussi à lire ça vous spoil la fin. Donc ça serait peut-être bien de lire les bandes dessinées avant de voir la fin du vlog. Sinon Boisdeux, comment ça va? Je crois que ça va mais j'ai peur de pas finir. À combien de planches tu en es? 16. 16 sur 24, en tout 16? Ouais. En comptant celle de la fin? Ouais. En comptant les pleines pages? Ouais. Ah c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Ça va se finir en bonhomme bâton? Il y a deux chances. Après tout, ton histoire, c'est une patate. Et t'as géré les deux dernières planches. Du coup, donc la fin, dans tous les cas, va péter. Voilà, c'est à ça que ça sert, hein, de faire de belles planches pour la fin. C'est que si il y a du laisser-aller entre les deux, ne nous mentons pas, et bah à la fin, tout va bien, parce que le spectateur reste sur une bonne impression, sur une planche merveilleusement, magnifiquement exécuté par l'auteur. Voilà. Voici un exemple de truandage de Boisdeux. Le bonhomme, il monte les escaliers. Et ça va être ça pendant au moins deux pages. Mais il a raison, il a raison. Mais bonne nouvelle dans les 23 heures de la BD, ici, c'est qu'une personne a terminé. C'est Lise de Clounel. Voilà, elle a terminé. Elle en est à sa 25e planche, c'est ça? C'est ça. Voilà, bonus. Elle va pouvoir dormir, faire une sieste ou faire une BD de 30 planches, non? Une BD de 30 planches? Non, j'y arriverai pas. C'est mort. En tout cas, vous pouvez aller la lire et nous dire ce que vous en pensez, voilà. Oh, un chat. Alors, la bouffe aux 23h de la BD, c'est important. Voilà, beaucoup de sucreries, de la mayonnaise hein, pour les sandwichs. Là, on a quasiment tout fini, hein, mais encore des sucreries. Et attention, le frigo, on finira jamais tout. C'est beau. Bon, les yaourts, non, on s'en fout. Mais là, voilà, y a plein de fromages pour mettre dans les sandwichs. Y a de la bière. Là, il y a des boissons énergétiques. C'est très important. Voilà, et on finira jamais tout parce qu'il reste que 4 heures. De toute façon, je pense que mon corps a un surplus de boissons énergétiques, café, enfin de trucs pas cool pour lui. Tout se mélange à l'intérieur et là je sens qu'il est en train de me dire que faut que j'arrête. C'est pour ça que je vais me faire un petit café, hein. Allez. Bon, il est 10h51. Il me reste qu'une planche à faire. J'ai plus envie de rien. J'avais même pas envie d'allumer cette caméra. On est dans un état second. Boisdeux, t'en es où? Il me reste deux pages. Donc en gros, il me reste 1h45, le temps de scanner. Et nous sommes actuellement devenus des cadavres. C'est officiel. Voilà, donc Boisdeux va entamer son avant-dernière page. Moi, je vais entamer ma dernière. Et Clounel est là. Et voilà. Elle fait rien depuis tout à l'heure. Parce qu'elle a fini depuis combien de temps? 4 heures. 4 heures. Elle a fini depuis 4 heures. Elle a essayé de se reposer. Elle a pas réussi. Voilà. Petit conseil comme ça, j'en ai pas parlé. Quand vous scannez, quand vous fumez une clope, quand vous allez aux toilettes, tout ça c'est pas du temps perdu. Il faut l'utiliser pour réfléchir à son scénario. Il faut faire des choses pendant ce temps-là. Voilà, ça c'est important. C'est important. Toutes les petites pauses que vous faites, même quand vous faites couler un café, voilà, faut toujours réfléchir. Les 23 heures c'est ça. Il n'y a pas de temps mort. En vrai, il n'y a pas de temps mort. Si, on a eu un temps mort. On a eu un temps mort? Oui.
On a fait une pause pour regarder le trailer de Justice League. Ouais, donc ça, c'était une pause de 4 minutes, 3 minutes. C'est aussi le moment où vous pouvez penser, bien sûr, à comment vous allez gruger, comment vous allez gagner du temps pour copier-coller une case par-ci. Quand on est un spécialiste de l'escroquerie et de la truanderie, c'est important ces temps morts pour réfléchir. Voilà. Bien sûr aussi, relisez votre BD hein, pendant que le scanner fait son travail. Profitez-en pour relire votre BD. Moi, je l'ai fait 4-5 fois. Ça peut aider. Ça peut aider notamment encore pour les copier-coller, l'escroquerie, la truanderie. Et aussi savoir ce que vos personnages vont dire. Parce que c'est bien d'avoir un scénario dans la tête. Mais il faut savoir comment vos personnages vont formuler ce scénario. Et bah allons-y pour la dernière page. Voilà. Ça y est, à une demi-heure de la fin, on a tous les deux notre lapin doré. Voilà, on est content. On est content. Bois 2, t'es content ? Je suis très content d'avoir fini. Mais je pense que le corps n'est pas fait pour supporter autant de fatigue. Mais c'était une chouette expérience, comme d'habitude. Merci, les 23 heures de la BD. Encore une fois, c'était énorme. Les BD... qu'on a faites sont dans la description, celle de Bois 2, celle de Clounel et la mienne. Vous pouvez les lire et nous dire ce que vous en pensez en commentaire, pourquoi pas, pour pimenter ce vlog inutile et pour vous récompenser d'avoir été jusqu'à la fin. On va faire un petit concours. Ce concours consiste simplement à retweeter ou partager la BD que j'ai faite avec le hashtag qui va apparaître juste là. 23h BD Boisdin, tout collé, et celui qui sera sélectionné, la date s'affiche là, parce que là, au moment où je filme, je sais plus, genre, voilà, et ben gagnera, pas toute la BD, faut pas déconner, une planche de ma BD, une planche originale de la BD, voilà. Partagez sur Facebook ou Twitter ma BD avec le hashtag 23h BD Boisdin. Pourquoi pas de planche de Bois 2? Pourquoi uniquement ma bande dessinée? Pourquoi pas celle de Clounel aussi? Parce que Clounel elle est partie au moment où j'ai eu cette idée déjà. Et Bois 2 qui est là-bas, eh ben, il a pas envie de donner ses planches, il veut les garder. Voilà, c'est la fin de ce vlog complètement inutile sur notre périple des 23 heures de la BD. J'espère que ça vous a quand même plu. Moi, je vais aller prendre un bon bain parce que j'ai l'impression d'être sale. J'ai envie de me laver les dents aussi. Je crois que c'est normal. Et après, je dormirai un peu plus tard parce qu'il faut pas se coucher tout de suite après. Sinon, on décale son rythme. Bon voilà, ma vie est super intéressante. Partagez, likez, commentez, mangez des frites.